Police Nagonaïve présentée par la presse après-midi vendredi 28 août, 6 présumés bandits qui jouent l'arrestation dans deux opérations différentes. PNH la mené dans cité indépendance temps mercredi 26 à jeudi 27 août 2021. Deux parmi individus yo qui c'est Sénat Julson, 23 ans, à Prévalon Buisson, 28 ans, jouent l'arrestation pour tête, yo t'a détourné dans la localité Marose, sous route Gomon, yon camion marchandise qui te gagne là-dedans, produit alimentaire qui évalue à plus passer 70 000 $ américain qui t'a sorti cap haïtien en direction port de paix. Grâce à l'information, la police est disposée, yo t'a pral découvrir camion marchandise qui t'a débarqué dans un dépôt qui n'a rue égalité dans centre-ville là. Max Saint-Preux, c'est porte-parole PNH là. Premier cas, il y a deux premiers individus ça, yo impliqué dans détournement au camion dans matinée mercredi 26 août qui t'est sorti cap haïtien à destination de port de paix. Donc les camions ont arrivé dans la localité Marose sur route Beaumont, et des individus armés étaient détournés camions. La police était informée, elle était mobilisée tous les services d'investigation, et nous étions diligentés aux enquêtes qui t'a mené nous à la découverte des camions à la rue Égalité, dans ces nous dépôts alimentaires et gazeuses. Comme dit, c'est là que malfait a débarqué marchandise. Donc pour le moment, propriétaire camion donc récupéré lui et il dit que marchandise qui était dans camion est évaluée à environ 70 000 $ américains. Quatre autres individus qui c'est Étienne Emerson, Étienne François Moïse, Alexandre Molière, Apnassis Chiltan fait partie d'un gang armé qui porte nom Team Zero qui est basé dans quartier Praville, une zone qui est située dans nord-est ville Gonaïve. Gang ça selon responsable PNH spécialisé dans divers actes malhonnêtes. Tant coup braquage, viol, cambriolage et la trier. Au moment de l'interpellation de M. Sao, il y a des échanges et que M. Taptir a réussi à sauver, mais la police interpellé sous dénonciation clameur publique là, quatre individus Sao qui font partie des gangs. Gang ça, les spécialisés dans braquage, viol, cambriolage, consommation et vente de produits de stupéfiants. Dans le moment d'interpellation M. Sayo, la population était clairement identifiée avec la police, le nommé Diossi, yon nan moun qui t'a tiré en direction de la police. Porte-parole PNH là, Maxime Pro fait connait service investigation la police là a travaillé pour joindre plusieurs autres individus qui fait partie gang ça qui t'a opéré dans la cité indépendance. Face aux multiples cas d'assassinats, de viols, de vols et d'incendies, les habitants du plus vaste bidonville du pays ne cessent à quel sein se vouer, étant livrés à eux-mêmes. Les gangs armés rivaux de la cité ne cessent de s'affronter. Des affrontements qui ont déjà coûté la vie à pas mal de riverains. Géralda Petit-Frère, mère de quatre enfants, habite à Soleil 17. Son père est décédé après avoir reçu une balle au ventre alors qu'il n'était pas impliqué dans ces conflits. Malheureusement, ça a fonctionné. Ou quand on traite la caoula ou est balle ou apprend. Mon ça ou pas qu'on appli, ou pas qu'on soleil. Depuis au vini, le jeune Simon Petit c'est balle ou balle. L'autre bois a une femme enceinte qui gagne 9 mois. Il prend seul balle pour tête le monde. Nek ça yo, ou pas qu'on grand monde, ou pas qu'on ken Simon. Depuis au vini, le massacre fait dans zone médifé, fait toute violence sous forme. En pitou, yo gon mes depuis yo genou, depuis de ke tan kouri, yo kontra avoir yo menan zon nan, depuis yo genou efoué, yo violo, yo fait tout vie exact sou. Parmi les victimes, figure également Alexandre Donaldson, âgé de 15 ans, orphelin de père et de mère. Il a reçu un projectile au bras gauche, alors qu'il était allé chercher quelque chose pour sa grand-mère. Pendant que je la chompe, pour sa grand-mère, je me donne l'eau à cette terre. Pendant que je suis à bon égal pour ça, je tire balade pour Les habitants de Cité Soleil pointent du doigt les chefs des gangs de Bélécou et de Boston, deux quartiers voisins. Ils s'affrontent de jour comme de nuit. L'un d'entre eux bénéficie du soutien de Jimmy Cherizi alias Barbecue, membre de G9 en famille allié. Neki gap fè gen yo pa l'autre moun, c'est Iska yo ya Mathias, yo prend allié l'autre côté qui sorti G9 yo entré en baboukline ti e malerez. Yo même c'est G9 yo, m'pa même besoin di ti police nan konbit la pa ka fè rien pour nous parce que yo même qui gen tout pouvoir pour faire ça ou vle faire en baboukline nan. Oui, Bele Kouboson, c'est nek sa yo qui gen G9 à la tête, qui cap terroriser la population comme ça. Et bien, depuis l'année que ça a fait une forme de G9, et bien, c'est nous-mêmes, bagage de nous, c'est d'elle, chaque jour entièrement. Actuellement, les habitants de Cité Soleil sont sur le qui-vive face à la fureur des bandits. Ils sollicitent l'intervention urgente des autorités compétentes. Vive l'autre côté, c'est la peine, maison.
On va c'est la paix nous dans la mandat même Jean Boukine besoin la paix et pas pourquoi et pas qu'on y a Boukine a pionné la paix nous ça me dans même dans on est à bon la paix fait pour nous vivre en paix si nous devons sortir pour nous sortir pas un problème nous pas écouter pour nous aller. Dans son dernier rapport sur la situation de terreur qui prévaut à Cité Soleil, le réseau national de défense des droits humains a fait état d'au moins 111 morts, 48 personnes sont portées disparues et 20 autres ont été blessés par balle entre le 1er juin et le 28 juillet 2020. L'armée Pierre Villis déplorait les faits pour voir en place là l'île en toutes les langues avec Mounsayo et d'ailleurs. C'est ça qui expliquait pas rien qui fait pour mettre au rôle d'après défenseur de Wamouna à l'armée Pierre Villis. Au niveau des PYGH, nous sommes très préoccupés par la question de l'insécurité qui a valé terrain dans le pays. Notamment à la question de la fédération gang armée. Donc, nous pas oublier ce qui passait dans la Cité Soleil, côté gagné, femme enceinte, femme timoun, qui est bandit, assassiné grand la journée. Et nous regrettons que l'autorité dans le pouvoir qu'il a, n'a pas montré qu'une volonté pour combattre la question de sécurité. Au contraire, nous déplorons la relation de la capacité qui a gagné entre bandit et pouvoir. Ça. Ou grand pouvoir qui pito qui était champ libre à bandit pour opérer. Alors que même pouvoir ça, ils ont utilisé la police pour faire répression sur des citoyens qui ont manifesté pacifiquement, qui ont dénoncé l'insécurité, qui ont dénoncé la corruption, qui ont dénoncé la misère. C'est ça que nous avons pouvoir faire, utiliser la police pour faire répression sur les gens qui ont manifesté. Alors que bandit, ils ont capable de circuler, j'en voulais. Je dis à nous arriver dans le niveau côté question, pas de jambes là, où je des gangs à fédérer, fédération gang, un pouvoir qui va prendre quelle disposition pour permettre de freiner la question de sécurité. Donc ça préoccupe nous en pile et l'insécurité qui a développé là dans le pays. Et nous croyons que l'institution, la justice et la police, c'est le fait que gagner une question d'impunité qui est capable de dire Marc fabrique la justice. Là. Le fait que n'y a pas jamais tracé d'exemple, le fait que y a des bandits qui ont fait des actes pas rien qui fait aujourd'hui, les bandits capable de dire qu'il y a toute liberté pour circuler. Nous avons songé différents massacres qui fait, massacre la saline, tuerie qui fait dans des quartiers populaires, pas rien qui fait, pas qu'un exemple qui tracé, juste journée aujourd'hui, bandits ont circulé. Donc c'est parce que bon pouvoir qui baille quatre blanches à bandits pour opérer, qui fait jeudi à n'a pas assisté à qualité et sécurité, ça, en demain. Nous là pour nous protéger, nous là pour nous bon service, pour aider, n'a pédé. Nous là pour nous protéger, nous là pour nous bon service. Directeur général à IPNH, là, monsieur Ramon Ormil, prend gros engagement devant population pour garantir sécurité village bien. La police est l'ennemi juré des bandits. La police n'a été l'ennemi juré des bandits. La police est seule force détentrice de la violence légale. Sous commande Bamnan, pas un bandit qui a fait la loi. Dixit DG. Qui donc, pièce bandit, pas vin faire la loi là. Opération Terminator 1 lancée, mission c'est joindre et mettez quoi dans le coup tout ça pas légal. La police nationale. Plus motivation, plus détermination. Pas gué ou pas bois. Diverses unités spécialisées te faisons descendre des lieux garçons pas campés dans zone la tremblée commune Gantier. Côté gang 400 Marozo a fait la pli et les beaux temps depuis un bon bout de temps. Yo rivé passer code dans coup à Nelson Bastien alias Izo. C'est un membre important dans gang nan. Izo rapporté par allô la police. Toute activité li kon fait, et li identifié qui est, qui est, et qui roule yo chaque nan game nan. Qui est-ce 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 qui est-
Je regarde, je regarde les défis machine. Chauffeur va camper. Et là, ça a dit, et Couchon Max, c'est Junior, et puis Isola, là, mort, qui m'a mort, oui. Et puis les sorties, les toujours fait. La mort fait l'aïe. L'aïe. Mais les sorties, les fait l'aïe. Comment, oui. Bah, les petits types là, tellement fait, oui, bah, il y a monde qui l'a fait. Oui. La semaine passée. Mais qui est-ce? Ok, qui est-ce dans la base là, tu es qui est-ce? La base là? Oui. Max. Oui, ça. Il fait quoi, crime, là? Vous voyez ça donne là, plein l'argent là. Ça est gaspillage. Vous voyez les tisous là, vous voyez la pourrie ni même. Même ici, vous voyez les tisous là. Et vous voyez les tisous tout. Vous voyez ma fête, à part quoi, vous voyez ça. Ça est tisous. Mais oui. Et ça. Ça est onal. Ça est chère de l'eau. Ça est là-haut. Côté monsieur le délire. Mon cas. Même ça est type, ça regarde mon ami, ça regarde l'oncle de ma mère. Tout ça, ça va capter l'homme. Ça va capter l'homme. Ça, il va tirer à tirer à chef. Côté de la zone. Bon chapel là, oui. Mais oui, oui. Monsieur le tourné. Bon, l'idée de m'expliquer la vie. Là, ça avec la police comme tirée. Dis-moi, qui connaît le fait ou entre la carte ou pas qu'à dormir, qu'on se soit bonjour. Les polices là, les côtés boulés. Expliquez, parlez, les côtés boulés, polices là. Ça te fait mal. Ça te fait mal. Pour qui ça te fait mal? Les gars, ils ont appuyé moi. Je dis à mon ami de CBJ, il a arrêté pour les 400 maozo. 400 maozo, c'est pas un symbole. C'est 400 nègres exam cap simé la terre. Eh bien, opération Terminator 1 a saccagé Biliotou. Il a pris un code. Pired, Antoine Oriol, Ambacode, Fito Lacombe, Ambacode, James Désir, Ambacode, alias Gelo, Yorelel Angelo tout, Romulus Maturin, Ambacode, yo chaque gen wòl yo joué nan 400 maozo. Nan mwa jwè ak sot passé a nan ville Jacmel, yo te levé joine an dan la Kaili, madame Amine Bronzeni, di madame Roland que tout le monde est adopté dans ville Jacmel. C'est une femme qui fait plus de 60 ans dans la question éducation. La police pas de camper à enquête li. Toute yon équipe tap travail pour te joindre à tout faire yo. Comme ça, la police dans Jacmel mette code dans coup James Caleb, civil alias Jeff. En bas code. Dans question SDPJ Sud-Est tap posé li avoué que c'est lui-même à deux autres acolytes qui touye madame nan. La pour a fait des crimes madame là. Parlez-moi des crimes nan. Crime nan il vient pas même Jilo Balgaza. Qui ça qui passe même? Balgaza est arrivé, dit mon gon kobande, dit mes qui m'a calé, nous dit bon m'a café de bail pour ça. Il est arrivé forcément du mon aller quand même. Quand on a des comme la marie, il est arrivé même Jilo. Ben nous vivons dedans. Nous avons arrivé à la fin de la semaine. Et après nous disons non bah nous disons ça
la chambre nous pour bijou d'or. Après ça, nous arrivons à aller. Qui ça nous fait à bijou ça? Bon, elle était arrivée bam pour me vendre, je fais une bonne bonne. Ok. Qui est souvent venu? Moi, en passant qu'on a fait capital pour s'acheter des bijoux. Et après ça, ça nous devient encore? Ah, nous devons un bloc de bail dans le market là en bas. Ça nous va bail ça? Je ne sais pas qui arrive. Vous avez pas de téléphone? Oui, je n'ai pas de téléphone. Pas avant. Oui, avant ça. Combien de fois nous cassons ça? Première fois, il était fait manquer, il était fait boire des téléphones, là, c'est la deuxième fois. Première fois, nous pas d'une madame, non? Première fois, non, nous. J'ai dit, votre business, ça vient de copier, il était fait manger, même boire des téléphones, là. Sur le petit tap qui dit, si je fais un petit baguette. Première fois, nous connecté là-dedans? Oui, moi, à Baldaza. Et deuxième fois? Deuxième fois, nous, à Baldaza. Après information ça au fin tombé, la police partit tout de suite des deux l'autre présumé assassin yo. Yo mette en barcode Balthazar Oblin. En barcode. En barcode. Red branché. Yo pas loin prend l'autre là tout nous. Question sécurité a, c'est souci majeur la police nationale. Et pour le vin effectif tout bon, chaque secteur dans vie nationale là, gen partition pâle pour jouer là-dedans. Le rôle citoyen. Parce que le problème de la sécurité, tout citoyen, tout sauveur, il faut dénoncer par la police. Eh bien, gang armé, groupe armé, qui va habiter? Il va habiter même côté avec tout citoyen. C'est là que je demande tout pour les leaders communautaires. Si il y a une information, il faut partager renseignement à la police. Parce que l'information est vitale, l'information est même gens avec nourriture qu'on a besoin pour manger. Chef, la police la prend engagement pour le démanteler et neutraliser toute gang qui pensait aux trois poutets. Cherchez yo et mettez quoi dans couyo, voyez yo bay Satan le diable. Haïtien qui est dans la diaspora et haïtien qui en Haïti, moi bay yo garantie que toute gang armé yo, ils seront démantelés. Très bien. Ils seront démantelés, ils seront conjugués au passé. Ils ont conjugué au passé. Ou bien aller en prison, ou bien nous neutraliser et puis pour y joindre Satan le diable pour y joindre Baron. Veillez yo, barrez yo, gien pile nan yo ki geta kite zone yo te a pour y cacher dans l'autre zone. Pas si tirer en ken inconnu bon la caille nous, nan vie caille vide ki bon côté nous, dénoncer yo. Y a vinn monter baz yo bon la caille nous pour y faire même ça yo t'a faire et mettre vie nous en danger. Parce que la police a privé quand même, laisse ça a bien rel kaima korel. Oui, n'a privé sou. Ou même, n'a privé sou. Opération Terminator 1 lancée, c'est sans pitié. N'a marché sou. Nous la pour nous protéger. Nous la pour nous bon service. Pour aider. N'a pédé. Nous la pour nous protéger. Qui continue à gommer dans ce soleil, et nous remarquons que Père Tom, c'est une paix qui est dans la zone, qui permet, je ne connais pas ce que les forces, mais c'est aussi un accord, qui dit aux bavades de violence, comment nous sommes au niveau NDH ou sur ça. Bon, et tout d'abord, pour respect que nous avons pour les victimes, et pour les gens autorités qui banalisent la vie dans le pays, nous ne pouvons pas arrêter les trois acteurs. Ces trois gangs, et qui dans cité qui t'a terrorisé population qui massacré population qui a violé monde et sorti mois de juin pour arriver fin juillet dans rapport nous et pour pipiti nous venir yo tué 111 monde et 48 monde disparaître 18 femmes avec petit monde qui ont violé et c'est des viols et collectifs sans compter et monde qui prend balle qui toujours gagne balle encore yo et autorité pas faire rien bon. Et nous croyons que par rapport avec Jean situation hier et dans cité soleil Jean courage population moun qui victime famille qui victime Jean ont dénoncé situation et voient arriver très très loin et bandi ont pas gagne l'autre bagarre pour faire c'est pour te suspendre massacrer population. Bon, à la vérité nous pas capable considérer ça comme un accord et pour la paix pour plusieurs raisons et moun yo bandi yo gang yo et qui sous contrôle pouvoir
et yo toujours gen zam yo nan men yo, yo capable décider à n'importe qui moment pour continuer et bataille. Et nous ouais, par exemple, CNDDR a pensé récupérer ça, il dit que yo dit ça entrer dans cadre et ça nous a relé des missions et des armements. Non. C'est eux même les G9 là campé, n'a parlé de CNDDR là. Et les ont mettait G9 à camper, ils ont applaudi G9 là, ça veut dire que ils ont eu contrôle G9 là. Pendant tout mois de juin, mois de juillet, et G9 là a massacré et population et cité soleil là, ils ont pas jamais dit rien. Nous croyons que ça qui est important, je dis à qui doit faire dans le pays, il faut que suspendre, banaliser la vie monde, m'a parlé autorité, autorité qui là pour ça et fermer van et zam illégal avec munitions qui va entrer dans le pays parce que Haïti va pas faire zam et bail la police à moyen pour faire travailler dans renforcer la police. Et là pas les moyens pour la police, nous pas parler pour bail policiers zam bande etc. mais et conditions policières, améliorer conditions policières et puis faut autorité qui là qui pour protéger vie avec bien, yo suspendre mettre zam dans main gang avec bandi pour massacrer population. Pour c'est pas bon, écoutez, tout autant que c'est pas autorité qui prend disposition pour yo retirer zam dans main délinquant, dans main bandit, pour yo suspendre et bay bandi yo zam, pour yo bloquer question contrebande zam qu'a fait en dans pays. Chaque jour presque, bon pas chaque jour, de temps en temps nous ouais nan poyo yo di yo saisi zam, mais zam yo pa vin pou kont yo côté met zam sa yo. Nou pa jam tande y a poursuiv yo, nou pa jam tande gen enquête ki a fait, nou pa jam tande action publique met en mouvement. An nou pran exemple sa k'ap pase nan cité soleil. Mes amis, pendant 2 mois y a massacre en population, autorité nan l'état nan pli au niveau a ham di rien et la justice pa ke pou tout sa pa jam met action publique en mouvement kont bandi yo, kont gang yo. Et puis et la police a croisé pour être li inacceptable. Est-ce que nous connaissons sorti novembre 2017 pour arriver journée aujourd'hui, gang et Genève là et gang barbecue a fait 9 massacres dans zone métropolitaine dans seulement, et dans tout massacre ça a une autorité qui implique la donne. Ça veut dire que aujourd'hui on banaliser la vie monde, c'est pas le fait que par rapport avec et comportement population cité soleil yo victime yo levé campé. Et il y a un pile groupe dans la société qui le veut camper avec eux, qui fait que les bandits yo honte avec l'autorité. L'autorité, même pas capable de parler ça, et la paix, parce qu'il y a toujours des âmes. Je dis à la souris au niveau des cités soleil, on a constaté sur la fonte marché, ou après, dans divers cas au passé, où il y a des jeunes garçons, ou même qui avec des âmes dans les. Par exemple, si vous arrivez et vous rentrez dans la zone et pour aller au niveau du projet d'où avant d'arriver dans la zone, après il y a des jeunes qui campent, même avec des amis dans la société, pour sécuriser l'espace. Ah, mais c'est ça que fait nous dit, tout autant que pas gain des armements qui fait dans le pays, tout autant que l'autorité n'a pas suspendre et développer, suspendre connivence avec bandits, suspendre par bandits des armes et fermer contre les bandits. Eh bien, ça c'est l'insécurité qui a renforcé en dans le pays. Et ça n'a pas vécu aujourd'hui, par un côté, monde qui a insécurité en dans le pays. C'est tout côté en dans le pays, côté qui a des bandits, qui ont des gros armes dans les mains, et où les bandits ont exposé les armes, côté qui ont toujours dit que c'est l'autorité qui a des armes et qui n'a pas pris des armes. Non, on écoute, c'est un bagage cosmétique pour et consommation et internationale et nationale. Et ça qui est important et dans ce sens là, c'est là nous ouais la police nationale là et prend contrôle cité soleil. Là nous ouais que autorité ou aller dans zone là, l'État aller dans zone là et faire et permettre que les citoyens, les gens, ils améliorent les conditions. Par exemple, pendant qu'on a parlé des questions des gens qui ont des armes, mais si on regarde la situation des gens qui vivent, et on regarde des images, côté que pour l'eau qui est dans la cité soleil, même avant la pluie et dimanche,
mais l'État n'est pas présent. Il n'a pas nettoyé le canal. Donc, ça veut dire que la population, dans le quartier populaire, ils ont livré à eux-mêmes. Ils ont abandonné. Ils ont contrôlé Genève, la cité. La population n'a pas parlé de l'eau qui se passe là, des situations. Ça ne va pas dire, mais ça fait face. Je vais finir mon question. Zone qui contrôle Genève. Sous contrôle Genève. La population n'a pas parlé de ça qui s'est subi là pendant le week-end. Non, non, ils ne sont pas capables. Ah, mais c'est ça qui est grave là. Genève n'a pas gagné pour le contrôle aucune zone. Et c'est l'État, c'est l'autorité, c'est la police, et puis c'est l'État qui doit être présent dans la zone pour bailler un minimum de service, pour que ne pas dépendre des bandits ou des gangs. Et puis comme l'État chaque mois a pris un peu l'argent dans le trésor public là, pour question service renseignement, mais pour qui ça fait, il pas aller dans la zone, faire filature, identifier les bandits, désarmer, et puis pour qu'on y a pour qu'on capable de vivre. Est-ce qu'on sent si vous voyez volonté pour désarmer gang? Bon, écoute, Genève là, c'est pour pouvoir et mettre le campé. Nous pas volonté ça, mais la population, il faut qu'il ait campé. Et face à des rivières et grand pile d'hypocrisie tout dans la société a l'regard des niveaux massacres qui fait dans la société a par exemple sur et dans mois et mai te gros massacre qui fait dans zone pont rouge en dans mois juin juillet c'est cité soleil mais ou, le fait que c'est dans zone quartier défavorisé ouais société a fait mes yeux sur ça n'est pas normal. Bon, l'homme de société a quelques groupes et organisations et la presse là qui baille mon micro et qui fait voir aller loin. Qui, c'est ça qui fait que les bandits font soi-disant qu'ils font un campé, mais ils ont carré prendre n'importe qui l'est parce que la population a livré à eux-mêmes et l'État n'est pas présent dans la zone. Merci. Ok, Timon.